Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour du Doom. Ouais gros, alors première vidéo saut depuis que j'ai repris les vidéos. Et oui, ça fait longtemps, ça fait 6 mois déjà, oui, ah, quand même. Vous voyez, j'ai mis emplacement de partie 1, c'était pour tester si ça marchait bien, hein, évidemment. On n'a rien commencé du tout, je pense qu'on peut le voir, j'ai rien foutu. Alors on va passer en mode fais-moi mal, c'est le mode normal. Je pense que ça devrait suffire. Ouais, parce que je suis quand même vachement un gros taré. Tu te calmes. Faut le dire. Et donc, et vous marcherez éternellement dans les royaumes des ombres, vous tenant debout contre le mal là où les autres ont échoué. Que votre soif de vengeance ne tarisse jamais, que le sang de votre épée ne cesse jamais, et que nous n'ayons plus jamais besoin de vous. Ça part dans des délires chelous déjà. Et donc le chargement est à 79% et vous devez probablement pas le voir puisqu'il devrait y avoir ma caméra dessus, évidemment. Qu'est-ce qui a deux pouces et qui s'en tape? Donc c'est Korax, chapitre 7, 17, je sais pas ce que ça veut dire et je pige pas un mot, voilà. On attend la fin du chargement, oui. Allez. Ils sont enragés, brutaux, impitoyables, sans merci, mais vous serez bien pire. L'éradication, c'est ça votre credo. Ouais, j'avoue, je suis bon à ça. Je vois pas le rapport. Mais... Ok, très bien. Donc ça, c'est moi. Pourquoi je suis à poil? Pourquoi je suis sur une table? Pourquoi je suis enchaîné? Pourquoi il y a des vilains? Toi, t'es vraiment moche. Oh, il a quand même une sacrée force dans ses mains, le mec. Si j'avais autant de force, ce serait plus pratique. Et un gun par terre, évidemment, sinon c'est pas marrant. Alors, est-ce qu'on peut viser? Oui, c'est quoi? J'ai l'impression que quand je vise, ça fait pas le même truc. Enfin, je vais pas vous mentir. Voilà, très bien, vous êtes mouru. Très joli flingue. D'accord, ça c'est quand je recharge. Ok, j'ai rien pigé. Ensuite, on peut se baisser, on peut mettre les coups, on peut sauter, très bien. Toi, tu veux pas descendre? Non, toi t'es mort visiblement. Ouais. Ok, on peut pas faire grand chose. Qu'est-ce que je dois faire? Où je dois aller? Je sais pas. Certainement là-dessus, puisqu'il brille en bleu. R3, bah oui. D'accord, très bien. Hey. Ah, ils priaient tous pour moi, miskin. Je suis votre dieu, à genoux devant moi. Ah, non, c'est pas d'accord. Alors, qui, quoi, quand, où? Alors, j'aime beaucoup l'armure, mais non. Parce que ça fait très chelou, encore. Hein. C'est quand même une ambiance très satanique, finalement. Est-ce que je suis pas un peu Satan, dedans? Parce que c'est pas normal, ça. On est bien d'accord. Ça pique les yeux. Wow. Ok, donc si c'est pas plus satanique que ça, on peut mettre l'armure, j'ai envie de te dire. Très joli casque, effectivement. Très belle vue, j'aime beaucoup. Ah oui, parce que oui, évidemment, quand tu mets le casque, les bords que tu voyais disparaissent tout seuls. Hein. En même temps, vu la technologie, c'est normal. Très bien, tout est indisponible. Ok. Antenne satellite. Donc ils ont beaucoup de technologie, mais ils ont encore des antennes satellites. Hein. Donc il faut pas oublier qu'il faut réparer l'antenne satellite. J'ai rien compris. J'aurais dû écouter. Eh ouais, bah il meurt. Ouais. Est-ce qu'il y a pas, finalement... Attends. Est-ce qu'il y a pas moyen de mettre des sous-titres? Non? Blablabla, position d'arme, fais-moi mal, blablabla. Oh, y'a pas l'air, hein. Oh, c'est dommage. Ah, voilà, sous-titre. Audio. Je vois pas la différence. Donc on va remettre. Audio. Si, je les ai mis. Oui, bon. J'imagine que ce sera au prochain dialogue. Ah, il s'en bat les couilles, nous devrions trouver un terrain d'entente, il a dégagé l'écran, quoi. Il s'en... Ah oui, on est comme ça. Ok. Bon, bah, on continue le chemin. Visiblement, ils ont mangé du lapin. Et donc, ok, qu'est-ce que c'est que ça?
c'est dégueulasse. Il y a des cadavres partout et on sait même pas ce que... Ça ressemble même pas à un être humain. Qu'est-ce que c'est... Toi, t'es vilain, toi. Toi, tu ressembles à un être humain, mais toi, en dessous, non. Je suis désolé, mais... Oui. Ah, ça, j'aime ça. Ah, ça, c'est quoi, ça? Je peux charger quelque chose. Je vois pas l'intérêt. Attends, si je charge... Ok. Ok, bon, bah... Ah, j'ai touché les deux, au moins. C'est l'avantage. Il est disparu. C'est pratique quand même. Hein. Si tous les cadavres faisaient ça. Excuse-moi, je te prends ton arme. Hein. Non, désolé, je t'ai arraché la moitié du corps, mais t'en avais plus besoin. Alors, je vois qu'il aime regarder ses petits joujoux. Hein. C'est quand même un de ses passe-temps préférés. T'es toujours aussi vilain. Ouais. Ok, la gueule. Oh, la patate de foin, au calme, j'ai envie de te dire. Alors ce sont des diablotins. L'enfer est infesté de ces démons féroces et agiles, souvent envoyés au front pour une attaque concernée dans l'une ou l'autre des dimensions. Ils ne vivent que pour le combat, dévorant leurs victimes lorsque la faim les étreint. Très bien. Ils restent très vilains, je suis désolé. Et alors toi, t'étais vraiment très vilain. Mais t'es moche en plus. Hein. Oh, t'es moche. Pourquoi t'as un trou au milieu du visage? C'est ça la vraie question. Et comme c'est trop long, je vais pas lire pourquoi. Est-ce que je peux savoir à quoi sert le deuxième tir de ce truc? Parce que j'ai pas... Bon, on s'en tape. T'as raison, on s'en tape, dit tacticiel, on s'en tape aussi, on n'a pas le temps, allez! Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, on a envie de jouer. Ça pète de partout. C'est quand même le seul mec qui est capable de pioncer pendant que tout ça se passe autour de lui. Allez, ta gueule. Oh là là, on s'en fout. On n'a pas le temps. Oh là, on n'a pas le temps. Oh, j'en ai réveillé quelques-uns, les gars. Est-ce que vous pensez qu'on peut tous se les faire à coup de poing? Genre comme ça. J'en ai eu un. J'ai eu un doute, à un moment, je me suis dit, ouh, j'ai raté ou quoi? Eh, il a des sacrés coups, hein. Comme quoi, les démons, c'est aussi con, quand même. C'est quoi cette merde, c'est dégueulasse? Ah. Ouh. Ouh, c'est élégant. Très bien. Ce qui a réveillé les diablotins, évidemment. Hein. Il faut pas arracher le cœur du machin bizarre. Sinon, ça réveille les diablotins. C'est logique. Ok, poussez-vous. Par contre, au moins, la lumière normale est revenue. Donc, quand il y a des démons, bah, finalement, c'est que tout est redevenu normal. Voilà, c'est ça la logique. C'est logique. Ah, poussez-vous. On a pas le temps. On est là. Tu te calmes, toi. Oh! J'ai l'impression d'être un peu dans Dragon Ball. Ah, mais je... Voilà. Oui, c'est ça. Il y a des petits double jumps où j'ai juste eu un coup de bol. Je pense que c'était plus un coup de bol, quoi. Ouais, je pense. Je pense genre j'ai sauté pile poil, quoi. Bon, il est où l'autre? J'ai cru le voir, là. Il était là. Non, il était... Si, il était... Ah, bah. Oh, tu cours trop vite. Après, moi, je suis obligé de courir, tout ça. Ah, très bien. Donc, le mec est resté en l'air. Aïe. Te calme toi là. Élégant. Élégant, non, très élégant. C'est bon. Ok. Très bien. Voilà. Donc c'était un nid démoniaque, hein, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il n'y a pas une petite arme cachée ou un petit truc sympa? La vie et des munitions. Bon déjà ça... Oh, ça c'est de l'armure. Ça j'ai compris. Ça c'est vert. Bon. On ne peut pas le laisser quitter cet endroit. Je suis obligé de parler au ralenti. Non, c'est trop long quand tu parles, en fait. Ferme-la. Ah, ferme-la par contre, physiquement, ferme-la. Ah, c'est... t'as le droit de monter ou de monter très haut. Il y a une flèche vers le haut ou deux flèches vers le bas. Et deux flèches vers le bas, donc tu peux descendre très bas, mais pas descendre en plus. Bah, si c'est de ta faute, fais quelque chose. Ça énerve mon perso, il a envie de lui casser. Il lui a cassé la gueule, voilà, on peut le dire. Donc ça, hein, typiquement Bethesda, évidemment. Doom, voilà. J'aime beaucoup la musique. Et là, on est sur Mars. C'est ça, j'ai pas compris. En tout cas, tout est orange.
C'est un peu comme Hyrule dans Ocarina of Time quand c'est la merde, voilà. Du coup, évidemment, j'imagine, il y a un petit chemin, non? Il y a un petit chemin? Non, il n'y a pas de petit chemin. Donc il faut sauter. Ça paraît logique. Mais j'ai pas envie de sauter. Ça va! Il a l'air d'avoir des jambes en acier. C'est bon, ça passe! C'est large! Genre, tu peux pas sauter là-dessus, tu te fous de ma gueule, t'es capable de sauter de là-haut là et tu peux pas sauter là-dessus, là-dessus. Ok. Bon. Bon, on va monter. C'est quoi? Appuyer sur R3. Pourquoi? Parce que j'ai. Je suis monté sur un truc bleu, j'ai fait R3, je sais pas à quoi ça sert. Oh la flemme, la flemme. Oh, j'ai pas envie de lire. Oh non, 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 je joue à Doom. Je suis pas en cours de lecture. Très bien. Et ben on va avancer. On suit les flammes, j'imagine. Ça passe bien. Alors là, on est dans Mad Max. Hein, c'est typiquement un camp Mad Max. Oui, t'es pas content. T'es jamais content, de toute façon. Ferme-la, voilà. Ah, toi, je t'ai pas encore vu jusqu'à maintenant. Attends 2 secondes. Je me débarrasse du petit diable, là, voilà. Et de lui aussi, et accessoirement. Et voilà. Alors, mais non, je monte, tu descends, tu te fous un peu de ma gueule quand même, faut le dire. Tiens, voilà. Je t'apprendrai. Non, mais au bout d'un moment. C'est un soldat possédé. Donc, c'est un mec comme moi, mais possédé, c'est ça? Sans doute. Ok, il a plus de cerveau au moins. Eh, hey, tiens, au moins 15 secondes de vie. Hop, toi, parce que toi et toi. Voilà. Oui, bah tu vas vouloir descendre un peu ou pas? Alors c'est R1 pour changer d'arme, je n'y ferai pas. Hein. Je crois que je viens de me faire défoncer dans le dos. Mais j'ai récupéré de la vie, parce qu'il n'y en a pas. Il y en avait partout. Autant pour moi. J'étais là en mode oui, bah, je me balade, puisqu'il ne me touche pas depuis tout à l'heure, pratiquement, et tout. Charge de me virer tout seul, je te remercie. Et ils m'ont défoncé. Bon, bah ça arrive, j'ai envie de te dire. Pas de chance. Voilà. À un moment, il faut se concentrer un peu, ce que je ne sais pas faire. Mais on va y arriver, on va y arriver. C'est... Voilà, on recommence. C'est à l'écran de chargement un peu long, quand même. Il y avait un peu de clipping, on l'a vu, c'est pas grave. Allez. Oui. Ah, il a pas complètement les jambes en acier quand même. Il y a une certaine hauteur où il plie les genoux. Hein, Donc là, je saute sur l'armure. Cette fois, j'ai raté. Tais-toi. Ouais. Par contre, l'écrit, mais alors H24. Aïe. Tiens, voilà. Il est fou. Non, tu te. Oui, voilà. Tu la fermes. C'est mieux. C'est... Non, vraiment, c'est mieux. Toi aussi. Ouais. Reviens! Aïe! Là, il m'a fait mal. C'était pas prévu. T'as raison, si sur tes potes. Voilà. Tiens, meurs! Ouh loulou! Oh, j'étais concentré, désolé. Alors! Ouh, le coup de genou! Eh, ça fait mal, ça. Alors, en même temps, c'était le but. Hein. Mais ça fait mal, quoi. Du coup, ils sont où les autres limains pas bons? Ils sont là. J'aime bien, il joue comme moi, il court vers l'ennemi en tirant. Comme quoi, je joue un peu comme un bot abruti. Voilà. Il faut le dire. Non, il faut le dire. J'ai l'impression qu'il se foutait de ma gueule. Enfin, je sais pas si c'était un cri ou s'il se foutait de ma gueule, j'ai un doute. Mais je parierais plus sur le fait qu'il se foute de ma gueule. Aïe. Tu te calmes, toi, là. Il est où, le vilain pape? Aïe. Non, toi tu te tais. Voilà. Je t'attrape. Mais il est fou, lui. Voilà. C'est bon, il n'y a plus personne. Je peux... Ah, mais encore quelqu'un. Là. J'y arrive pas avec les gros tirs. Tiens, tais-toi. Je vais juste récupérer mon autre arme. Voilà. Mais il y a un peu des munitions un peu partout. Il y a un peu des munitions un peu partout, oui. Et con, lui, hein. Mais drôle. Dis bon. Des fois, je me demande si je suis pas un peu con, quand même. Il est vraiment très con. De l'amour, de l'amour, de l'amour. Là, 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 je peux aller là ou je peux aller là. Trouver la carte d'accès bleu, évidemment.
Là, il y a un vilain monsieur. Ça, ça prédit. S'ils te mettent un trou comme ça, c'est que ça pue la merde derrière, finalement. Là, il y a vert, monsieur. Il y a ce qui reste du monsieur, finalement. Excusez-moi. Puis-je venir? Ah, t'es en bon état, toi. Ah, toi, je sens que t'es en pleine forme. Je te prends ça. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a toujours pas de monstre. Ça paraît trop simple. Moi, je dis, c'est louche. Je vais revenir, je vais me faire casser la gueule. Il y a un moment, ça va être ça. Hein. Ouais. Je suis pas con. Ah, très bien, parce que tu la passes même pas, la carte. Hein. T'as vu, tu passes devant, hop, ça se fout. Ça, c'est pratique. Ok, c'est des grenades. Hein. Ça ressemble à une grenade. Ça a la gueule d'une grenade, c'est une grenade, évidemment. Ouais, on peut pas tout faire de futuriste. Alors, j'aime beaucoup ce finish en tombant du ciel. C'est beau. C'est beau, on dirait presque de l'Assassin's Creed. Pousse-toi. Eh. C'est quand même vachement violent comme arme. On n'y pense pas assez. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché ici? Est-ce que je peux me faire écraser par ça? Attends, on va tester. Ok. Concentrons-nous un peu. Continuons le chemin. Tiens. Voilà, parce que ça me fait plaisir. Tiens, toi aussi. Oh là là. Vous allez pas m'obliger à viser, monsieur. Oh là là. Bon, c'est un peu violent. Peut-être que je reprends ça et que je garde l'arme pour plus tard. Ça, c'est quand tu te mets à réfléchir, tu réfléchis comme moi. Ouais, je mets du temps à réfléchir. Je suis d'accord, c'est vrai, je suis quelqu'un d'un peu lent. Allez. Quoi? J'étais tranquillement en train de tirer comme un gros lâche. Il faut qu'il y ait des monstres qui viennent m'emmerder, évidemment. Attendez, monsieur, là je suis en train de faire une série de headshots, c'est beau. Tiens. Il a essayé de s'enfuir, il a pas réussi. Ah, il a pas réussi. Ouais, très bien. Il y a donc absolument rien. Il y a rien, mais c'est la dèche, hein. Oui, monsieur. Ah! Il y a un vilain pas beau. Il y a plus de vilain pas beau. Ah bah, il y a un vilain pas beau de plus près. Toi, t'étais pas prévu dans mon truc. Donc tu... Voilà. C'est quand même vachement moins violent que sur les autres, les premiers. C'est moi où le tir est un peu assisté. J'ai l'impression de faire que des headshots. Allez, pousse-toi. Non, pousse-toi. Non, mais pousse-toi. Voilà. Très bien, je traverse les murs. Parce que finalement, je suis un peu Casper. Non, tais-toi. C'est mieux. C'est mieux, je préfère. Non, franchement, je préfère. Mais où donc dois-je aller? Bah, dans la grotte, certainement. Dans la fin de la grotte. Non, pas par la grosse porte. Autant pour moi, je pensais, ça me paraissait logique. Je vais là-dessus, c'est ça. Ah, parce que là-dessus, tu... Il pense quand même pas que je vais sauter. Là. Ah, c'est par là. Oui. C'est pas logique. Toi, t'as un peu mal au ventre. Mais ça va aller. Tu prends un petit médicament, ça là, un doliprane, hop, ça va mieux, tu vas voir. Du coup, je ne sais toujours pas où je vais, hein, effectivement. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je comprends rien. Rafale à tir con. Maintenant, le nœud me dit non, permet de changer une rafale de bois tir concentré. Je m'en carre. Boum! Oh, ça, j'aime beaucoup ça. Ah, tu sais comment me parler. Je prends ça. Allez, dégage. Ah, c'est comme ça que t'achètes. J'étais pas au courant, moi, je pensais que tu payais. Ouais. Non, en fait, tu mets une droite au robot et tu lui dis je prends ça, connard. Vas-y, laisse-moi. Ouais, c'est vrai, hein. La courtoisie, c'est un peu surfait finalement. On peut le dire. Hop, allez, excusez-moi. En plus, c'est un robot. Pourquoi on lui dirait bonjour, je voudrais acheter votre arme? On s'en fout. Allez, hop. Ah, tu ne veux pas? Bah, si, tu veux maintenant. Tiens, voilà, allez. Bon, vous me gonflez. Prendre un enfant par la main. Ah,
On esquive. Oh, t'as vu, une esquive. Le tir de mortier, je suis grave nul avec. Je suis en train de me rendre compte que finalement, c'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Voilà. Allez, salut. Et il se calme le petit, là, on dirait des gouloums en fait, finalement. Voilà, ça ressemble à un gouloum. C'est... Très bien, donc les diablotins, les possédés et les possédés nuls. Qu'est-ce que je suis en train de foutre? Des fois je me dis j'essaye de grimper sur tout et n'importe quoi sans aucun intérêt. C'est bizarre. Poussez-vous! Poussez-vous! Non vraiment pousse-toi. J'ai un chemin quand même. J'ai un chemin à suivre, tout ça. Je tire, c'est pas comme s'il m'avait montré un gros couloir, il m'avait dit allez va par là. On scie un peu. Mais alors voilà. Tu te pousses. C'est quoi ce truc vert par terre? Ah, c'est des grenades! Bah oui, je suis con. Grenade, j'avais oublié. Je crois qu'il a explosé. J'ai un doute. Mais je pense que c'est le cas. Excusez-moi. Alors toi, tu... Je l'ai eu. J'ai cru que je l'avais raté. Ah, si, je vous jure. J'étais pas bien. J'étais là en mode, non, je suis pas si nul. Quand même. Mais j'ai failli. Hein. C'est ça, les gars. Voilà! Visiblement, j'étais discret. Il m'a pas vu. Oh, la balayette! C'est tellement plus rapide de tout faire péter. Non. Oh là là, je suis dans la merde. Moi, je vous le dis, ça sent la merde ici. Boum! Hop! Je te fais bouffer. Oh! Allez, allez, on court, on court, on court. Si on court, normalement, on meurt pas. Je pense que c'est ça le but. Ouh, yeah. J'adore ça. Ça me fait trop marrer. Je l'admets, ça me fait marrer. Aïe. Ah, d'accord, il y en a encore. Est-ce que t'en aurais pas un peu marre? Voilà, merci. De la vie! Et j'ai reperdu toute la vie que j'ai gagnée, pratiquement. Je tiens à le faire remarquer. Ah, il est mort, très bien. Ah, je pensais que je l'avais pas eu. Non, tu te calmes. Voilà. Ouh, yeah. Excusez-moi, monsieur. Je te demande. Je n'ai fait que passer. Schlong, schlong, oui, tout à fait. Donc tout ceci sont des portes, évidemment. Ok, de l'armure, de la vie, des machins. Quand est-ce que j'ai une nouvelle arme? Parce que bon, le fusil à pompe, c'est pas ma spécialité. Bienvenue dans l'USS. Nous comptons à présent 221 jours sans incident. Il sous de ma gueule. Mais oui, c'est clair. Il y a des trucs qui pétaient de partout. Mais imaginez où nous en serions s'il avait poursuivi son œuvre. L'UAC aspire à l'excellence. Oh, il me fait chier. Oh, mais ferme-la. Oh, ta gueule. Ferme-la! Je vais où? Je vais où? C'est là. Non, si, quitte les lieux. Non, ta gueule. Oh. Oh, il m'a fatigué, lui. Et ben voilà. C'est cool. C'était le premier épisode. Allez, salut et à la prochaine.